Salut les disciples d'Avan, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur cet épisode numéro 18 de Dragon Quest The Adventure of Dai. Dragon Quest Deno Daiboken, Yunkle contre Adlar. Cet épisode, j'avoue, il était pas ouf, il était pas dingue, il y avait des choses à dire, mais ça reste quand même un bon épisode, ça reste du bon Dragon Quest et ça fait plaisir de le retrouver quand même chaque semaine. Enfin bon, voilà, vous avez compris, il y a pas mal de choses à dire. Avant toute chose, je vous invite à aller rejoindre notre petit Discord. On est de plus en plus nombreux et tout le monde est chaud. On parle de tout et de rien, les amis. Donc venez, venez, venez. Surtout que prochainement, je ferai un live sur Dragon Quest. Je vais voir si vous pourrez participer également. Et donc, peut-être qu'il peut y avoir des personnes qui vont pouvoir s'ajouter avec nous en vocal grâce à Discord. Donc voilà, ajoutez-vous à Discord. Ça peut être vraiment sympa. Il y a tellement de choses à dire, surtout sur Dragon Quest, les amis. Sur Dragon Quest, parce qu'on n'a pas tous le même avis. Voilà, on n'a pas tous le même avis, je vous le dis. Moi, je vais kiffer. Il y en a d'autres qui vont pas kiffer. Il y en a qui vont trouver que c'est rushé. Moi, je vais trouver que c'est pas rushé, par exemple. Enfin, voilà, vous m'avez compris, les amis. Enfin, bon, je vais passer à la partie résumée parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et voilà, je pense que autant y aller droit au but. Hein. Alors, ce qui est cool, c'est que cet épisode, on commence avec un récapitulatif qui fait plaisir avec une musique épique. Héroïque, et ça c'est bon, avec du bon Yunkle qui est venu en sauveteur, et ça c'est génial, franchement j'ai kiffé dès le départ, ça commence bien, après du comique, mais ça on en reparlera après, on va continuer sur la partie musique. Donc là ensuite on a eu une musique qui était plutôt cool aussi, dans ce passage où, d'ailleurs c'est un flashback, hein, où Crocodine vient sauver la peau de Yunkle. Et c'était moins une, il a failli retirer le pauvre Yunkle. Et donc du coup Crocodile est arrivé, il a utilisé un bouclier grâce à sa hache. Et ça c'est top, ça c'est top. Par contre je pense que ça se passe différemment, les amis, dans le manga. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me trompe, j'ai pas le manga à proximité. Mais je pense que ça s'est passé différemment. Je pense qu'il est venu simplement en volant, qu'il l'a récupéré. Ou carrément il a plongé la tête la première dans la lave. Je trouvais ça un petit peu pratiquement incohérent. En tout cas, je pense que quand même que c'est mieux fait voilà, dans cet épisode. C'est mon avis, peut-être que je me trompe les amis. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Autre musique qui était pas mal, c'est aussi sur un flashback. D'ailleurs, dans le flashback que je parlais, ensuite on a eu Amado en plus qui continuait. Voilà, Amado qui est revenu par lui-même, qui a sa propre volonté. Cette arme qui a sa volonté, et ça c'est pas mal. Il faut le savoir, c'est important quand même. C'est vraiment important dans l'histoire de Dragon Quest. Et vous allez voir que dans la suite des épisodes, on va se dire, ok, on comprend mieux et... Ce passage, en tout cas, il aura son sens plus tard, vous comprendrez. Du coup, l'autre passage, c'est aussi un flashback. C'est le moment où Avan apprend à Yunkle le Grand Cross. Et bien, ce passage-là, on a eu une musique plutôt épique. Surtout qu'en plus, ce qui faisait plaisir, c'est qu'on a re-eu du coup le seiyuu de Avan Sensei. Et ça, c'est pas mal. Ça fait plaisir toujours, ces petits passages où on revoit Avan Sensei, le Grand Maître. Et ça, c'est cool. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, en termes de musique... J'ai pas relevé d'autres musiques vraiment qui m'ont fait tilt, mais je pense vraiment qu'il y a eu d'autres musiques vraiment sympas, voilà. Ce qui était cool aussi, c'est que dès le départ, on a un petit côté comique un peu, voilà, avec Pop qui se prend de l'herbe en pleine face, et puis bon, après, il voit surtout son rival arriver et qui vient de sauver Mam. Ça le touche un peu, ça le touche un peu, et ça lui fait mal même à son petit cœur, à notre pauvre Pop. Du coup, en tout cas, voilà, je trouvais ce moment assez drôle. Ensuite, il récupère Mam à toute vitesse pour partir. Il dit, bon, Yunkle, voilà, on sait qu'il va s'occuper un peu du grand sergent, du grand chef Adlar. Donc voilà, franchement, Pop, il était vraiment comique dans cet épisode. Il a encore continué un peu son histoire plus tard. Mais bon, c'est pas grave. Après, il s'est trouvé lui-même ridicule au final. Hein. Il s'est vraiment trouvé ridicule. Et j'ai trouvé justement ce petit côté-là à Pop qui s'est remis en question. C'était pas mal. C'était pas mal, les amis. Il se remet en question. Il s'est dit, ben, Mam et Yunkle, ils ont fait preuve de noblesse. Mais Pop, lui, il se dit encore qu'il a des choses à améliorer. Donc voilà, son background, il va être encore développé, les amis. Ne vous inquiétez pas. Même si on s'est dit que dans l'épisode précédent, il avait tout donné, il était prêt à sacrifier et tout. Eh bien, c'est pas fini, les amis. Quand je dis sacrifier, ça veut dire voilà, qu'il était prêt à mourir pour laisser la vie sauve à Mam, bien entendu. Voilà de quoi je parle, les amis. Alors, les amis. Donc je vous parlais du passage de Crocodile qui vient sauver donc Yunkle. Effectivement, je pense que c'est un passage un peu différent par rapport au manga. Maintenant, en tout cas, je trouvais ça assez bien fait. Et surtout, le côté Crocodile, voilà, le seiyuu était excellent à ce moment-là. Je trouvais ses phrases un peu convaincantes, voilà, voilà, des phrases un peu héroïques pour essayer de convaincre Yunkle de ne pas se laisser aller, de se mettre à l'avant et puis surtout... que s'il allait mourir, c'était une facilité pour lui de finalement passer à autre chose.
voilà, ça rachèterait pas forcément les actes qu'il a commis, clairement. Donc voilà, je trouvais ce moment assez bien fait dans Dragon Quest, en tout cas dans cet épisode numéro 18. Par contre, maintenant on va passer sur des choses un peu qui chagrinent les amis. Les dessins, il y a le dessin de Flazar que j'ai pas trop aimé, il y a eu des dessins un peu de Yunkle aussi qui n'étaient pas trop top, voilà, avec son armure, on avait l'impression que... Enfin, quand je dis que j'ai pas trop aimé, ça passait, bien sûr ça passait. Mais par rapport à ce qu'on a eu dernièrement dans tous les épisodes même, je trouvais qu'en termes de dessin, c'était pas ce qu'on a eu de plus beau. Voilà, c'était pas ce qu'on a eu de plus beau. Maintenant, il y a eu des choses sympas quand même. Je pense notamment au combat Adlar versus Yunkle. Là, ça se fightait bien. Voilà, on sentait bien les impacts entre les chocs, entre l'épée face aux griffes de Adlar. Ça, c'était cool. En plus, moment sympa, c'est que les personnages sont arrêtés à un moment comme ça. Et là, on les voyait réfléchir comme ça. Ils se disaient, non, mais là, je combats quand même ce personnage. En vrai, il est vraiment balèze. Ils avaient chacun un respect l'un pour l'autre. Et j'aimais ce côté-là, les amis. Ce côté un petit peu respectueux envers son ennemi. C'était vraiment propre et ça, c'était bien fait. Je trouvais ça vraiment bien amené. Et je trouvais que c'était justement l'une des choses qui était vraiment remarquable dans cet épisode. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas eu dans les épisodes précédents, justement. Et là, ils ont accentué à fond. Et franchement, les CU, ils ont fait vraiment du travail de ouf dans cet épisode, les amis. Sinon, que dire, le coup de Crocodile, donc le Suo Tsukugeki, les amis. Je sais pas. Le début, ça passe, mais c'est un peu rapide. Et ensuite, voilà, cette petite explosion sur la tour, je sais pas, j'ai trouvé un petit peu vilaine. Vilaine, attention, hein. Quand je dis vilaine, c'est par rapport à ce qu'on a déjà eu dans les épisodes précédents. Donc oui, ça passe carrément. Maintenant, j'avais un peu de mal quand même, malgré tout. Mais bon, ça passait quand même. Ça passait, et je trouvais que c'était un épisode assez simple. On n'a pas eu grand-chose non plus dans l'histoire. Sinon, le Merazuma de Adlar, voilà, quand il a embroché Yunkle, voilà, il lui a mis ses griffes dans le ventre. Ensuite, il a enchaîné directement avec un Merazuma en ayant toujours les griffes dans son corps. J'ai trouvé ce passage assez sympa. Et puis d'ailleurs, là, je suis quasiment sûr, même, je pense que c'est un moment bonus quand même par rapport au manga. Donc voilà, c'était cool. D'ailleurs, les petits impacts qu'il y a eu entre Yunkle et Adlar, voilà, où il se frappe à l'épée et puis les griffes, c'est aussi du bonus. Et j'ai trouvé ces bonus plutôt sympas, vraiment, ils étaient plutôt cool. Le petit enseignement de. Voilà, le petit flashback de Havan était bien au bon moment aussi, ça venait au bon moment et je trouvais ça cool. Surtout qu'il lui a montré une petite démonstration. On voit que finalement, Yunkle, il n'y a plus cette petite haine envers son maître. Et d'ailleurs, là, d'ailleurs, dans cet épisode, c'est que pour utiliser le Grand Cross, il faut utiliser l'aura de lumière. Donc voilà, clairement. Enfin, clairement, voilà, il a mis son côté un peu haineux de côté. Et puis en plus de tout ça, il a pu vaincre dans cet épisode Adlar. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, du coup, le Grand Cross, autant en parler tout de suite. Le Grand Cross, j'ai aimé la façon dont ça a été fait. Maintenant, je trouvais que ça manquait de quelque chose. Ça manquait d'explosion, ça manquait de grandeur. Attention, hein, l'explosion était grande. Hein. Je veux dire, on a bien vu la croix, c'était gigantesque. Mais je sais pas, ça manquait de saveur encore, je trouvais. Je trouvais ça dommage. Maintenant, c'était beau. C'était beau, mais j'aurais voulu avoir beaucoup plus que ça. Voilà, quand on m'a dit, quand je savais qu'il allait avoir le Grand Cross, je me suis dit, on va avoir un truc vraiment gigantissime. Mais non, c'était pas le cas. Donc, en tout cas, vraiment, sur le petit passage de fin avec Flazar, ça faisait plaisir. Voilà, il attend impatiemment son petit combat. Et il en aura pour son argent. Voilà, il a bien fait d'attendre le petit Flazar. Donc, voilà. Tu veux te fighter, tu vas te faire fighter, mon petit gars. Moi, je te le dis, sans spoiler, franchement, les amis. Donc, le prochain épisode, d'ailleurs, ça finit quand même assez bien avec Adlar. Adlar qui limite, était est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort, les amis. C'est la petite question que je vous pose. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, en tout cas. Mais voilà, il l'a pas vu venir ce petit coup d'épée grâce au casque là, hop, il l'a pas vu venir. L'esprit combatif de Yunkle est revenu à la charge, et oui, il ne lâche rien, il veut vivre pour pouvoir se racheter le petit Yunkle, et ça c'est beau. Voilà, il faut pas se limiter juste à battre un Adlar, il faut y aller bien plus loin. Et donc du coup, il en est toujours en vie, et ça c'est beau. Dai lui, il est prêt à y aller se fighter avec Flazar, ça c'est bon les amis. En tout cas, les amis, petit résumé, petite conclusion par rapport à tout ça. Déjà, le prochain épisode, l'ultime arcane de l'école d'Havan, ça annonce du lourd. Il y aura du bon fight, les amis. Par contre, j'ai pu voir quand même que, en termes d'animation, de dessin, ça allait être aussi pauvre que cet épisode. Attention, hein, j'ai pas dit que c'était dégueulasse cet épisode, mais
Ce que je veux dire, c'est qu'on va pas avoir un épisode grandiose en termes d'animation. Il faut pas vous attendre à du grandiose. Maintenant, il y aura du moment épique. Clairement, voilà, le titre dit tout en vrai. Le titre dit tout. L'ultimate arcane de l'école d'Avan. Voilà, ça annonce quelque chose de plutôt cool. Et qui peut justement utiliser une technique de ce sens-là? Eh bien, vous savez très bien c'est qui. Je ne spoil pas, bien entendu. Enfin bon, du coup, les musiques étaient cool. Le comique était fort présent, notamment avec Pop, voilà, qui reste fidèle à son propre personnage. Ça s'est bien ressenti. En plus, il se remet en question, donc ça, c'était plutôt pas mal. Les dessins, voilà, on a eu tout et rien, même si j'ai pas vu non plus de dessin qui était vraiment transcendant, quoi. J'ai pas eu de dessin vraiment au top level. Alors qu'à la fin de l'épisode précédent, par contre, les dessins, j'ai trouvé cool. Le Yonkel qui arrive comme ça, qui a sauvé Mam, voilà, qui la tenait dans ses bras, c'était vraiment beau, cette petite image-là. Là, on a eu des dessins parfois pauvres et parfois normal, voilà, ni plus ni moins. En termes d'animation, on a eu de bonnes choses. D'ailleurs, j'ai pas parlé du Bégiragon, les amis, mais il faut que j'en parle quand même. Le Bégiragon, voilà, ça s'est transformé en tornade, ça, c'était beau. J'ai aimé ce petit effet supplémentaire. Maintenant, c'était peut-être un peu rapide le début, mais en vrai, franchement, ça allait. Surtout qu'ils ont repris plus ou moins les mêmes images qu'ils avaient déjà utilisées dans l'épisode précédent. Donc voilà, ça allait. Maintenant, le début, c'est un peu dommage, mais la fin, la petite tornade en flamme comme ça, j'ai adoré, c'était beau. Donc voilà, côté animation, sinon je suis un peu déçu peut-être pour le Grand Cross. Maintenant, c'était plus que regardable, mais je suis un peu déçu quand même. Voilà. Les musiques, dessins, animations et donc l'ambiance générale, les amis. Que dire sur l'ambiance générale? Bon, on a eu de bons seiyuu, ça faisait plaisir. Je pense qu'ils ont tous fait leur travail remarquablement. Que dire d'autre? Le Grand Cross, voilà, ça me reste encore en travers la gorge, les amis. Les flashbacks, quand même assez bien amenés. En plus, il y a eu aussi le flashback du Mégante. Donc voilà, ça, c'est vrai que cette lumière du Grand Cross, c'est vrai que ça rappelle le Mégante en termes de lumière. Et donc du coup, nos amis ont eu peur. Donc voilà, on n'était pas obligé d'en parler réellement autant. Et là, ils ont bien accentué sur le point pour dire, tiens, Yunkel est peut-être mort. Même si nous, on savait qu'il n'était pas. Mais bon, voilà, en tout cas, ça faisait plaisir. Donc voilà, des bonnes choses dans cet épisode. Mais c'était pas un épisode non plus riche. Voilà, clairement. Voilà, c'est ma petite conclusion, les amis. J'essaye de réfléchir à si j'ai pas oublié quelque chose. Mais voilà, en gros, ils ont tous fait leur travail. Mais j'attendais un peu plus de cet épisode. Surtout pour le Grand Cross, c'est le seul point fort négatif, on va dire, le Grand Cross. Et surtout, je me dis aussi que le prochain épisode va être aussi pauvre en fait, en termes d'animation, de qualité. Quand je dis aussi pauvre, c'est pas une critique méchante, hein, c'est vraiment, on aura à peu près le même niveau quoi, que cet épisode. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Les amis, on se retrouve en commentaire. N'oublie pas qu'il y aura un live prochainement, donc d'ici 2 semaines à peu près, logiquement. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire justement si vous allez participer ou pas, ça pourrait être sympa. J'espère qu'on va être nombreux d'ici là. Je pense qu'il y en a certains qui vont accepter de venir aussi en vocal. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi, je vous laisse un mets de roi en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Salut tout le monde, ciao. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous passez par là, les amis. Mets de roi.